initiative. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir durant les slides qui vont effectivement défiler. Je voudrais vous rappeler déjà une chose, c'est que en ce qui me concerne, je suis comme vous un membre à part entière, un partenaire de BTC-TBS. Je n'ai pas plus d'avantages que vous et pas moins. Le fait que je présente effectivement l'opportunité, eh bien, c'est que je suis d'abord, je connais Brefort, que c'est une entreprise qui me plaît, que malgré les difficultés que l'on rencontre dans cette entreprise, eh bien, on arrive, quoi qu'il en soit, à garder un certain cap et que nous sommes donc tous et toutes des partenaires commerciaux et non des investisseurs. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment comprendre parce que un partenaire commercial dans un business, eh bien, c'est quelqu'un qui, effectivement, est partie prenante des bons côtés et des mauvais côtés des choses. Et ici, en fait, dans ce que je vois quelquefois sur le net, les commentaires qui sont faits me navrent considérablement parce que je pense que il y a des personnes, et je ne parle pas pour vous toutes et pour vous tous, mais il y a des personnes qui n'ont rien à faire ici dans ce business. Ce sont des gens qui ont besoin d'assistanat. Ce sont des gens qui font un caca nerveux quand d'un seul coup, au bout de 24 heures, ils n'ont pas reçu leur argent. Enfin bref, c'est absolument navrant et ce n'est pas du tout ce que nous recherchons à travers donc ce business, puisque les gens qui veulent effectivement faire du business sans avoir de prise de risque, eh bien sachez que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Tous les gens qui ont réussi dans les affaires en général, ce sont des gens qui ont été conscients que quand ils venaient quelque part, ils prenaient des risques. Ici, quand vous venez dans le business de BTC-TBS en tant que partenaire commercial, eh bien, vous prenez des risques. Et le risque, c'est l'inconnu. Mais que si vous voulez avoir une chance de sortir de votre confinement et de pouvoir accéder à autre chose, eh bien, il va falloir que vous soyez conscient que la prise de risque, vous devez la prendre. La prise de risque, c'est l'inconnu. Effectivement, c'est également ce que nous allons mettre dans notre champ de conscience et dans notre façon de penser. Or, vous savez que la pensée induit considérablement l'ensemble de la vie que nous allons manifester. Je pense que beaucoup ne sont pas au courant de ça, ou ils le sont, mais en surface, mais véritablement sans conscience réelle. Moi, je pense que nous sommes, pour ma part, tous et toutes, en tant qu'humains, nous sommes tous égaux. J'en suis intimement convaincu, j'ai fait beaucoup de démarches dans ma vie et j'en suis arrivé à cette conclusion. La seule chose, c'est que il y en a qui sont un petit peu réveillés et d'autres qui sont endormis et d'autres qui sont dans un sommeil profond. C'est la seule différence entre. Mais nous sommes tous pareils. Et ici, les personnes qui prennent des risques, les personnes qui veulent réussir, ce sont des personnes qui se réveillent à un moment donné et qui se disent, mais plutôt que de continuer à subir effectivement les diktats d'un patronat, qui ne sont pas toujours négatives d'ailleurs, mais qui restent des diktats, qui restent sous le fait d'appartenir à des systèmes pyramidaux, puisque quand vous êtes dans une entreprise, je vous rappelle que vous êtes dans un système pyramidal, que si le système pyramidal n'existe pas, eh bien, vous n'avez pas d'entreprise. Donc ça, pour votre gouverne, quand j'entends également des membres parmi nous qui disent, ah ouais, mais c'est une pyramide. Mais bien sûr que c'est une mine. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'une entreprise n'a pas de structure pyramidale? Si elle n'avait pas de structure pyramidale, ce ne serait pas une entreprise. Donc remettez les choses dans l'ordre. Faites véritablement du ménage et amenez de l'ordre dans votre tête de manière à comprendre que tout n'est pas négatif dans un système pyramidal puisque toutes les entreprises fonctionnent de la sorte.
Par contre, vous confondez souvent l'entreprise pyramidale et le Ponzi. Le Ponzi, je signale que, en tant que Français, vous êtes partie prenante du bon Ponzi qui existe au monde, qui sont vos retraites. Donc, si vous êtes offusqué par les Ponzi, refusez de rentrer dans la retraite. À partir de ce moment-là, vous serez cohérent avec ce que vous pensez et avec vous-même. Sinon, eh bien, acceptez qu'il y a également des Ponzi sur et qui ne sont pas forcément non plus négatifs. Donc, tout ça, ce sont des choses que, en fait, sur lesquelles je veux attirer votre attention et je voudrais que vous soyez véritablement conscient que, en venant dans un business comme celui-là, eh bien, vous êtes des êtres qui commençaient à s'éveiller, vous êtes des êtres qui avaient envie de prendre des risques et qui devaient assumer au niveau de votre partenariat les aléas que peut rencontrer une entreprise. Voilà, ça, j'espère que c'est clair. Donc, les personnes qui cherchent la stabilité, je vous rappelle que le statisme, c'est l'inertie. Donc, pas de risque, rien ne se passe. C'est en fait une petite mort. Certes, c'est correct, on n'a rien à dire par rapport à ça. Mais en fait, aujourd'hui, plus que jamais, il faut savoir que rien n'est stable. La seule constance qui existe, c'est le changement. Et la seule solution que nous ayons en tant qu'être humain, c'est l'adaptabilité. C'est le maître mot. C'est savoir s'adapter. Donc, si vous êtes ici, vous êtes des partenaires qui prenez des risques et qui êtes capables de comprendre qu'il y a des moments, il y a des aléas au sein d'une entreprise, que nous devons nous serrer les coudes, non pas rencontrer ce genre d'ineptie que quelquefois je vois sur le net, alors que malheureusement je n'y vais pas souvent, mais je vois des choses absolument aberrantes. Je parle pour ces personnes qui mettent ces choses stupides et aberrantes. Je ne parle pas pour l'ensemble des personnes qui sont présentes ce soir, mais sachez que c'est quelque chose qui nous sert et qui les dessert eux-mêmes. Ils ne s'en rendent même pas compte. Donc, dans votre champ de conscience, sachez que si vous êtes dans un état d'esprit ouvert et positif, vous allez renforcer notre business, alors que si, à contrario, vous êtes dans la peur, vous êtes dans le doute et que vous êtes dans la révolte, eh bien, vous allez donc vous faire du mal à vous-même et faire du mal à l'ensemble de ce business. Voilà ce qu'il en est. Donc, je reviens sur le fait que aujourd'hui, nous devons nous adapter. Dans la vie, ce que nous voulons donc, c'est avancer. Mais il y a une chose qui est tout à fait physique dans le phénomène d'avancer. Une personne qui marche pour avancer, eh bien, elle est en déséquilibre constant, puisqu'elle se trouve toujours sur un seul pied. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord avec moi. J'espère que vous êtes capables, toutes et tous, d'observer ce phénomène, qui est un phénomène biologique, physique. Eh bien, de ce constat, nous pouvons en déduire que, en fait, le déséquilibre, c'est véritablement le moteur de l'avancement. Si vous le pouvez, réfléchissez à ça, méditez-y, mais vous verrez que c'est une réalité. Donc, nous allons poursuivre cette présentation. Et les crypto-monnaies donc, sont appelées à remplacer la monnaie fiduciaire. Eh bien, aujourd'hui, vous savez que le Bitcoin et également l'Ethereum s'inscrivent comme des valeurs refuge ainsi que des valeurs spéculatives. Que de plus en plus de sites Internet permettent là de leurs produits avec des Bitcoins. Que, effectivement, les Suisses ont déjà implémenté depuis plusieurs mois dans les gares ferroviaires des distributeurs qui permettent d'échanger, d'acheter directement avec des applications Bitcoin, donc leurs billets ferroviaires, les gens peuvent acheter leurs billets ferroviaires directement. Qu'il y a des échangeurs de monnaie en Bitcoin qui sont installés dans différentes villes d'Europe et du monde, non pas qu'en Suisse, que en Autriche, depuis 5 mois déjà, il y a une banque qui s'est ouverte, qui est une banque de Bitcoin, et que de plus en plus de business aujourd'hui se font effectivement en Bitcoin. Le marché du luxe s'est ouvert au Bitcoin il y a déjà maintenant 1 an et demi, et aujourd'hui c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Donc, vous voyez que ici, eh bien, vous êtes dans une entreprise qui est précurseur dans le domaine de ses activités, mais qui, comme toute entreprise, eh bien, peut avoir des hauts et des bas et avoir des difficultés
Je vous parlerai, moi qui ai une entreprise à côté, des difficultés que j'ai par rapport à des gens qui, je l'entends, s'offusquent parce qu'il y a 48 heures de retard dans leur paiement. Moi, j'ai des gens, ça fait 3-4 mois qu'ils me doivent de l'argent, et pas 100 ou 200 euros, mais des dizaines de milliers d'euros. Donc, et je suis toujours là, mais malgré tout, eh bien, effectivement, j'essaie de m'adapter. Donc, voyez, arrêtez de crier au secours quand vous avez demandé 100, 200 ou 1000 dollars et qu'il y a un décalage de 48 heures ou 72 heures et même de 8 jours. Ça n'a aucune espèce d'importance. Puisque si vous avez compris l'état d'esprit dans lequel vous devez être, eh bien, vous devez accepter ce genre de choses. Ou sinon, encore une fois, retourner dans des choses qui ne vont engendrer aucune crainte, aucune peur. Et ou sur lesquels vous ne voudrez rien confronter. Et on peut l'accepter, on peut le comprendre. Mais encore une fois, donc, cette entreprise, eh bien, c'est une entreprise qui est précurseur, mais qui rencontre également des aléas. Donc, cette entreprise groupe fort, en tant que précurseur, bien évidemment, c'est déjà inscrite depuis un certain temps dans le cryptage et la transaction de toutes ces monnaies. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous pouvons vous proposer ce partenariat commercial. Et ce partenariat commercial, eh bien, il résulte avec un CryptoPack qui est le produit du travail qu'effectue TBS tant dans le minage de ces crypto-monnaies ainsi que dans les transactions de ces crypto-monnaies. Alors, ici, je vais également faire une aparté parce que, comme je vous le disais, nous sommes des partenaires commerciaux unis au sein donc, de cette compagnie dans un but qui est effectivement celui de générer des bénéfices, celui de créer de l'argent. Donc, la compagnie, en fait, elle nous propose aujourd'hui de nous associer à ces activités qui sont le minage des crypto-monnaies et le trading de ces crypto-monnaies. Alors, comme vous le savez, le trading est quelque chose qui est variable. Et conséquent, les prises de bénéfices peuvent être différées en fonction de la réactivité des marchés. Vous savez que, encore une fois, rien n'est stable, tout est dans une mouvance constante. Il faut être opportun pour cliquer au bon moment pour savoir faire des prises de bénéfices. Donc, c'est la raison pour laquelle nos paiements en tant que partenaire, bien évidemment aujourd'hui dans ce que propose la compagnie, seront toujours déclenchés le premier lundi de chaque mois, puisque aujourd'hui c'est la règle, mais que les règlements, compte tenu de ce que je vous explique, pourront effectivement différer dans une fourchette qui peut aller de un jour à 15 jours. Vous comprenez que, effectivement, si nous adoptons cette latitude, c'est pour avoir une stratégie gagnante. Encore une fois, nous avons besoin de partenaires commerciaux. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent, qui sont des assistés et qui vont pleurer et qui vont faire leur caca nerveux parce qu'ils n'ont pas touché leur argent le mardi. Donc, comprenez que ce n'est pas contre vous, c'est ensemble que nous devons être pour que ce business puisse prendre de l'expansion. Donc, ici, ça n'est pas ni la caisse d'épargne, ça n'est pas l'assurance vie où vous allez royalement toucher 0,50% ou 2,5% à l'année. Vous êtes dans un business partenaire, on vous propose de gagner beaucoup plus. Mais il y a des aléas. Ces aléas, il faut que vous les compreniez et il faut être avec nous et non pas contre nous. C'est ou ensemble, ou sinon, eh bien, s'il y a trop de divergences, nous allons tous disparaître et nous aurons donc effectivement ce que nous avons créé. Alors, encore une fois, réfléchissez à ce que vous souhaitez créer. Est-ce que vous souhaitez créer un business dans lequel vous êtes des êtres responsables ou est-ce que vous voulez de l'assistanat et à ce moment-là, eh bien, retourner à l'assistanat? Je suis navré, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ça s'adresse à ceux qui ont un état d'esprit qui n'est pas forcément adéquat et qui ou comprennent mon discours et se rangent à nos côtés, ou à ce moment-là, eh bien, s'en vont, tout simplement. Et nous souhaitons que, bien sûr, vous compreniez ce discours, que vous adhériez, bien évidemment, à cet ensemble de propositions et que vous fassiez donc cet effort d'être partie prenante avec nous à 100% dans ce business. Donc j'espère que vous avez compris un peu mieux que vous êtes véritablement des partenaires et non pas des gens qui viennent chercher un assistanat pour gagner 100 dollars et crier au secours si effectivement, bien, le 10, vous n'avez pas été payé. Donc stop à tout ça,
Revenons à ce que nous savons faire. Revenons à notre partenariat. Revenons au fait que nous sommes des êtres responsables. Revenons au fait que nous avons envie de mener à bien l'entreprise dans laquelle, effectivement, nous sommes des partenaires. Alors, rappelez-vous qu'une entreprise qui, effectivement, n'a pas d'argent ne paye pas. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut bien retenir pour vous. Si elle paye avec 10 jours ou 20 jours de décalage, c'est qu'elle a des fonds, mais compte tenu de la volatilité des marchés, elle choisit des moments qui sont opportuns pour générer ces crypto-monnaies. Voilà. J'espère avoir été clair et donc je vous remercie de m'avoir écouté par rapport à ces propos qui m'engagent bien évidemment, mais sachez que l'ensemble de la direction est complètement consciente de ce que je vous dis aujourd'hui et que aujourd'hui notre recherche, c'est véritablement le pariah. Alors, autre chose également que je vais en profiter pour vous communiquer, c'est que une entreprise qui ne rentre pas d'argent est une entreprise qui meurt également. Vous ne pouvez pas vivre en autarcie, ça n'est pas possible. Alors j'ai entendu des gens qui me disaient, oui, mais tu comprends, dans le phénomène d'une entreprise, eh bien, il y a des gens qui vendent des produits. Ah, très intéressant comme réflexion. Bien évidemment, ils ont raison. Parce que dans la pyramide, pour nourrir les gens, hein, c'est bien un système pyramidal dont je vous parle, qui sont toutes les entreprises, eh bien, quand vous produisez quelque chose, vous allez toucher de l'argent. Mais que sont ces entreprises qui vendent du conseil uniquement? Elles vendent du vent. Et pourtant, est-ce que ça vous pose un problème? Absolument pas. Donc, et ces entreprises, croyez bien, elles prennent des sommes d'argent absolument colossales, et ce sont des systèmes pyramidaux dans lesquels vous avez effectivement un boss qui est à la tête, et vous avez des dirigeants qui l'accompagnent, et puis vous avez tout un staff avec lui qui forme ce système et qui vont chercher uniquement des gens à qui ils vont donner des conseils et qui vont rentrer des sommes d'argent. Mais si demain matin, il n'y a plus personne qui amène ces sommes d'argent, s'il n'y a plus de nouveaux clients, qu'est-ce que vous croyez que l'entreprise, elle meurt, tout simplement. Donc, comprenez bien que il est nécessaire pour quelle que soit l'entreprise qu'il y ait de l'argent qui rentre, de l'argent frais. Il y a une obligation d'avoir des nouveaux partenaires, d'avoir des nouveaux clients. Sinon, de toute façon, aucun business ne peut perdurer s'il n'y a pas de rentrée d'argent nouvelle. Donc ça, j'espère que vous le comprenez aussi. Si vous ne le comprenez pas, c'est regrettable. Mais en tout cas, c'est une réalité dans l'existence humaine, dans le monde qui fonctionne aujourd'hui par rapport au business. Donc voilà, c'est des points sur lesquels je voulais véritablement insister. Et nous allons donc poursuivre notre présentation. Donc pour votre info, vous savez que Natixis, Société Générale BNP et puis bien d'autres entreprises qui sont donc des banques, ont fait une levée de fonds de 107 millions de dollars de manière à développer la technologie blockchain et ils ont confié donc ce développement à cette start-up new-yorkaise qui s'appelle R3. Cette start-up new-yorkaise qui s'appelle R3 est chargée en fait de développer des applications commerciales via la technologie blockchain. Cette technologie blockchain est née au moment où la première fonction, les coins, sont apparus. C'est grâce en fait à la technologie blockchain que ces bitcoins ont pu être enregistrés et que les bitcoins aujourd'hui peuvent en fait générer des transactions puisque c'est à travers la blockchain que ceci existe. Les banques ont très bien compris que cette technologie blockchain était absolument extraordinaire. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé à cette société new-yorkaise R3 eh bien, de développer beaucoup plus d'applications encore. Donc, c'est une des plus grandes levées qu'on jamais réalisées dans la technologie de registre distribué au monde, qui aujourd'hui a été donc générée par l'ensemble des banques. Donc, inutile de vous dire que non seulement les crypto-monnaies ne sont pas prêtes de s'arrêter, parce que comme les banques mettent autant d'argent dans ce business,
comprenez bien que c'est quelque chose qui va perdurer et qui va se développer de plus en plus. Alors nous, en ce qui nous concerne, eh bien, comment accéder à ces crypto packs Wisdom, puisque vous avez aujourd'hui l'opportunité de pouvoir acheter des crypto packs Wisdom. La première chose à faire, c'est d'ouvrir votre espace personnel sécurisé, VTC-TBS. Ça, c'est une obligation, bien évidemment. La deuxième obligation, c'est d'ouvrir une plateforme, donc, qui va vous permettre, à travers elle, d'envoyer de l'argent et de transformer votre argent en Bitcoin. Ensuite, eh bien, vous pourrez ajouter des fonds depuis votre espace personnel sécurisé, donc dans VTC-TBS, à l'aide de cette plateforme donc, de Bitcoin, et la transaction se fera entre 1 heure et 2 heures. Tout dépend des échanges et des sollicitations donc, que recevront à ce moment-là la blockchain, que recevra la blockchain. Donc, voilà la manière dont ça se passe. Alors, aujourd'hui, on a une alternative intéressante puisque vous pouvez utiliser CryptoForex, qui est un moyen de pouvoir envoyer des fonds qui arriveront directement sur votre espace personnel. Vous aurez un gain de temps, vous aurez une sécurité et vous ferez également des économies. Ici, vous avez reçu pour ça un communiqué en date du 17 juillet qui vous explique et qui vous propose simplement cette alternative. Ça n'est qu'une proposition. BTC-DPS n'est aucunement lié à aucune de ces plateformes. C'est simplement pour vous informer par rapport à un confort. Sachez que pour ouvrir votre espace personnel, vous n'aurez pas de droit d'entrée à payer, vous n'aurez pas de cotisation à la payer, vous n'aurez pas de tenue de compte, de frais de compte à payer, mais vous devrez créer simplement un espace personnel sécurisé dans BTC-TBS, soit directement, soit avec un de vos associés qui vous a donc présenté ce business. Je vous rappelle que aujourd'hui sur le net, n'importe quel espace sécurisé par rapport à du business vous coûte minimum au niveau donc des frais 1 000 $ par an. Donc prenez conscience que ici la société vous fait un cadeau qui est royal et vous pouvez les remercier pour ça. Alors la caractéristique donc du CryptoPack Wisdom. Eh bien, ce CryptoPack Wisdom a une valeur qui est comprise entre 2 000 $ et 50 000 $, 50 000 $ qui est le maximum de ce que nous pouvons donc acheter comme CryptoPack. Son bénéfice mensuel est de 30%, donc sa durée est de 11 mois, ce qui fait que par conséquent, son bénéfice total sur ces 11 mois est de 130%. Inutile de vous dire que c'est quelque chose qui est véritablement hyper intéressant. Alors là, nous avons quelques exemples de ce CryptoPack. Vous avez par exemple, si vous prenez un CryptoPack à 2 000, eh bien, vous avez une recette mensuelle qui sera de 600 $ et un bénéfice brut annuel de 6 600 $. J'espère que vous faites la différence entre un bénéfice brut et un bénéfice net. Hein? Le bénéfice brut, c'est le bénéfice général, y compris le coût d'achat du pack des 2 000 $, qui vous est reversé sur 11 mois, donc vous avez 6 600 $. Le bénéfice net sera donc 6 600 $ moins 2 000 $, soit 4 600 $. Voilà, à chaque fois, il faut faire la différence entre les deux. Si vous avez par exemple un achat d'un CryptoPack Wisdom à 24 453 $, eh bien vous aurez donc une recette mensuelle de 7 735 $ 90 et un bénéfice annuel de 80 694 $ 90. Donc, à vous de refaire le calcul, de déduire à chaque fois le coût d'achat de votre pack de manière à générer un bénéfice net. Et puis, vous avez le maximum de CryptoPack Wisdom que vous puissiez donc acheter, qui est de 50 000 $. Vous aurez une recette mensuelle de 15 000 $ et vous aurez un bénéfice annuel brut de 165 000 $. Là, encore une fois, dans ce partenariat, j'espère que vous comprenez bien une chose, c'est que les sommes que l'on vous propose sont des achats de packs qui sont ridiculement des bénéfices annuels que vous pouvez réaliser. Sachez qu'il n'y a aucun commerce aujourd'hui qui puisse vous garantir un tel bénéfice en l'espace donc de si peu de temps. Je connais des gens qui sont dans le business et j'en connais plein.
et même qui ont des entreprises, etc., je peux vous dire que les gens qui font des recettes annuelles, des recettes mensuelles de 15 000 dollars, ce ne sont pas des gens qui ont mis 50 000 dollars. Je peux vous dire tout de suite qu'ils ont mis 10 fois plus. Donc, reprenez conscience également que ce partenariat permet donc de vous générer des bénéfices qui sont absolument colossaux et que, eh bien, si ça n'est pas toujours hyper carré parce qu'à la virgule près, il y a en fait des reports dans les versements, sachez que nous sommes quand même dans du business et que ce que vous avez là, ça reste exceptionnel. Maintenant, encore une fois, je répète à celles et ceux qui ne sont pas en accord avec ça, eh bien, je les engage à aller chercher ailleurs quelque chose de mieux et à me le montrer noir sur blanc. Parce que croyez-moi, vous allez avoir du mal à le trouver. Et j'en sais quelque chose parce que moi, dans ma vie, des entreprises, des sociétés, j'en ai eu et je sais de quoi je parle. Et même encore aujourd'hui, avec des business que j'ai à côté, je suis loin par rapport à des sommes aussi ridicules de pouvoir engendrer de tels profits. Rappelez-vous bien de ça. Donc, soyez conscient de l'opportunité qui vous est proposée. Alors, nous avons donc une offre de lancement qui est du 20 juin, donc c'est CryptoPack Wisdom. Et vous donne la possibilité d'accéder à partir de 1 000 dollars, eh bien, cette prolongation est faite jusqu'au 28 juillet. Donc, vous voyez que vous avez vraiment cette opportunité de pouvoir accéder facilement avec ces 1 000 dollars, à l'achat d'un CryptoPack Wisdom. Donc, vous allez pouvoir acquérir ce CryptoPack si vous êtes déjà dans BTC TBS. Sur votre espace personnel. Donc, si vous avez 1 000 dollars, eh bien, vous pouvez l'acheter au niveau de votre sol. Si vous n'avez pas ces 1 000 dollars, eh bien, vous allez pouvoir donc ajouter de l'argent de l'extérieur de manière à générer 1 000 dollars et de manière à pouvoir, eh bien, procéder à l'achat de ce pack. Ça, c'est des choses qui, effectivement, sont véritablement des possibilités qui sont énormes parce que acheter des packs à ce prix-là pour avoir de tels bénéfices, encore une fois, mais on vous sert ça sur un dos. Prenez-en conscience et ne criez pas au scandale parce que on va passer des packs à 2 000, puisque je vous assure que dans n'importe quel partenariat, avec 2 000 dollars, avec 10 000 dollars, eh bien, vous ne faites rien. Donc ici, vous avez des opportunités absolument extraordinaires. Prenez-en conscience et sachez en profiter. Alors, vous avez également le nouveau CryptoPack Speed 2.1 qui existe déjà depuis le 28 juin 2017. Ce nouveau CryptoPack est disponible à l'achat et en fait, il est passé aujourd'hui à un minimum de 500 dollars. Il était à 300 dollars. Eh bien, aujourd'hui, en fait, à partir du 22 juillet précisément, ce CryptoPack Speed 2.1 va passer à 500 dollars. Donc, il est toujours sur 70 jours ouvrés, c'est-à-dire qu'il est payé 2.1 par jour sur les jours ouvrés, ce qui fait que, au total, eh bien, sur sa durée, vous aurez une rentabilité en pourcentage qui sera de 147%. La possibilité de retrait, donc, est maintenant acquise le premier lundi du mois. Les commissions qui nous seront distribuées, eh bien, nous allons les voir dans les slides qui vont suivre. Mais ce CryptoPack, il faut le savoir, est appelé à disparaître dans le courant de l'année 2017. Donc, pour le moment, il est toujours en vigueur, puisque vous avez vu qu'à partir du 22 juillet, il est toujours prêt et que le minimum sera de 500 dollars. Et ce que nous voulons, en fait, c'est vous tirer vers le haut, c'est vous permettre de gagner de plus en plus d'argent. C'est ça notre but, c'est le but de la compagnie. Donc, il est toujours intéressant de comprendre que si vous êtes dans une expectative de peur, de crainte, etc., eh bien, essayez de voir l'autre côté de la face et essayez de comprendre que c'est une possibilité pour vous de pouvoir gagner davantage d'argent. Et ça, c'est une façon de penser. Une façon de voir les choses, une façon de, vous savez, tourner votre tête d'un côté à l'autre. Vous avez tous les aspects qui sont les aspects négatifs de la vie, on va dire tout le moins, qui n'est pas forcément négatif dans un sens péjoratif d'ailleurs, mais qui peut être pris comme un tremplin pour effectivement
voir également tous les aspects positifs que peut revêtir une situation quelle qu'elle soit. Il n'y a jamais de situation négative en tant que telle, il n'y a que des expériences de vie, rappelez-vous de ça. C'est quelque chose d'important. Essayez de concevoir la vie comme une expérience de vie, essayez de concevoir la vie plus peut-être également comme des opportunités et un jeu, mais en même temps qui peut être à la fois sérieux et à la fois léger dans sa façon donc de faire. Donc, essayez de tourner votre esprit de manière à avoir plus de légèreté, en sachant que vos convictions profondes vont induire fortement sur ce que vous allez générer dans vos vies. Alors, tout ceci nous amène à la possibilité, bien évidemment, que je vous ai proposé jusqu'à présent, de pouvoir acheter ces packs, quels qu'ils soient, et de pouvoir en générer des bénéfices. Maintenant, il y a une chose qui est très importante dans laquelle j'aimerais que vous puissiez rentrer, c'est le développement du partenariat comme apporteur d'affaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si une société, quelle qu'elle soit, ne trouve pas de nouveaux clients, à un moment donné, elle meurt. C'est une évidence, c'est pour toutes les sociétés. Il n'y a pas d'exception à la règle. C'est clair, net et précis. Si ça, vous ne le comprenez pas, c'est dommage, mais c'est ainsi. Donc, ce développement de partenariat comme apporteur d'affaires, eh bien, vous allez pouvoir vous y associer. Et en plus de ça, là, on va véritablement vous donner des moyens qui vont vous permettre, qui vont vous donner l'envie de continuer donc à développer ce business. Alors, vous n'avez pas d'obligation, mais franchement, si vous ne le faites pas, eh bien, vous essayez la branche sur laquelle vous êtes assise. Donc, honnêtement, commencez à comprendre que soyez des développeurs. Alors, chez BTC TBS, donc, nous avons cette option de partenariat, c'est-à-dire vous êtes partenaire associé et apporteur d'affaires en même temps. Vous avez donc la possibilité, si vous développez ce partenariat au niveau des CRIPAC Wisdom, eh bien, à partir du moment où vous allez donc emmener des gens avec vous, vous aurez une commission directe de 10%, et puis vous aurez également une commission de 5%, donc de vos apporteurs d'affaires, puisque on considère que, effectivement, si vous amenez quelqu'un, eh bien, vous avez comme partenaire commercial une commission, ce qui est normal et ce qui se pratique dans toutes les entreprises. Mais que là, si cette personne que vous avez amenée, vous devez l'aider à développer son business parce qu'elle a des gens qui sont prêts également à vouloir participer à ce business, eh bien, il est normal qu'à partir du moment où vous allez aider ces personnes, vous touchiez également une commission et cette commission, elle sera de 5%. Ça, c'est valable pour les packs Wisdom. Et puis, vous avez les packs Speed 2.1 qui, là, vont vous engendrer des commissions directes de 7% et 3% de vos apporteurs d'affaires, exactement la même chose, de manière à pouvoir donc eh bien vous encourager à aider les gens que vous aurez pu donc amener dans ce business. Voilà le partenariat tel qu'il est, et il est important que vous preniez conscience qu'il est opportun pour l'ensemble business eh bien d'en parler. Parce que en parlant, vous allez donc permettre à des gens d'avoir également gagner de l'argent, vous allez également gagner de l'argent, et à partir de ce moment-là, vous allez créer une synergie où, si vous amenez du monde qui effectivement parlera de business, et puis même vous, en continuant à en parler, eh bien, vous pourrez amener des nouveaux clients, et ces nouveaux clients permettront à l'entreprise de perdurer. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, faites-vous pas d'illusions, ça arrivera à sa fin, comme n'importe quelle entreprise. N'essayez pas de croire que vous allez pouvoir vivre en autarcie sans amener effectivement des clients. Donc, nous sommes encore une fois dans un partenariat. Prenez conscience qu'en tant que partenaire, vous avez votre rôle à jouer là-dedans et que, eh bien, essayez autant que faire se peut de vous motiver et d'amener du monde. C'est en tout cas le truc que je vous fais à nous tous. Donc, le tableau de ces commissions d'apporteurs d'affaires, eh bien, vous le voyez, vous avez donc les directs avec les packs Wisdom sur lesquels vous touchez 10%, les directs avec les Speed 2.1 où vous touchez 7%, et puis vous recevez une commission. Parce que vous aidez, vous avez compris, vos directs. Et à partir de ce moment-là, avec les Wisdom, eh bien, vous toucherez 5% en aidant vos directs. Et en aidant vos directs avec les Speed 2.1, vous toucherez 3%. Donc, sachez que c'est quelque chose qui est très, très bien rémunéré et qui peut donc vous engendrer des bénéfices supplémentaires qui sont importants. Vous avez certainement vu, pour les anciens, donc, que votre espace personnel sécurisé donc, a été amélioré, qui il apparaît aujourd'hui sur
votre page d'accueil, eh bien, des options qui sont utiles. Vous voyez que vous avez des informations qui représentent les CryptoPacks actifs ainsi que le montant total de vos CryptoPacks. Vous avez une information également sur les retraits que vous avez effectués, une information des gains des CryptoPacks perçus qui sont cumulés, et puis une information des commissions d'apporteurs d'affaires perçues cumulées. Donc ça, c'est une excellente chose parce que en entrant, vous pouvez avoir véritablement vous avez une idée de où en est votre propre business. Alors, pour faire le résumé de tout ceci, eh bien, je vois des pleureurs, je suis désolé, mais franchement, comprenez que personne ne durera, vous savez, je veux dire, ni vous ni moi. Donc, il y a des choses qui vont se modifier dans la vie, il faut s'adapter. Je dis simplement que prenez conscience et bougeons-nous pour que vous puissiez. Vous puissiez prendre conscience de la réalité de la vie. J'ai l'impression que vous êtes, enfin, pas tous, évidemment, mais que la plupart, vous êtes des endormis. C'est pas possible. Et je vous assure, je vous en veux pas. Mais je le dis pour nous, pour que ceux qui sont là puissent prendre conscience, se réveiller, de manière à ce que nous puissions porter ce business au meilleur de lui-même. Donc, essayez de comprendre ça pour que ça vous motive et non pas. Il m'a gueulé après, je suis le pauvre petit, je me suis fait engueuler. Non, non, ce n'est pas mes propos. Mes propos, c'est de vous réveiller pour vous amener à prendre conscience des choses et pour vous dire que vous êtes responsable à 100% dans vos vies, quelles que soient les décisions que vous allez prendre. Et quand vous êtes rentré dans ce business, c'est 100% de vos responsabilités. Quand je suis rentré dedans, c'est 100% de ma responsabilité. L'histoire de dire toujours. Ah, monsieur, c'est de la faute de l'autre parce qu'il aurait pas dû me dire de rentrer, mais vous êtes des irresponsables. Et c'est la raison pour laquelle nos vies ne fonctionnent pas. Si vous prenez la responsabilité à 100% de vos vies, vous allez tout assumer. Seulement, si vous assumez, la bonne nouvelle, c'est que vous allez être dans une énergie qui va être complètement différente et ça va vous permettre d'aller effectivement booster un business parce que vous êtes responsable de ce que vous avez fait. Voilà là on veut, voilà le message que je veux vous faire passer. Vous savez, c'est comme les gens, aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire, les gens votent. En France, vous avez élu quelqu'un avec une minorité d'individus qui a une majorité absolue. C'est une aberration, mais le système est comme ça. Aujourd'hui, j'entends des tas de gens qui commencent à râler, mais vous râlez pourquoi? La plupart de ceux que je connaisse, ils ont voté pour lui et ils commencent effectivement, avec une façon arbitraire de gouverner, de mettre en place des choses vis-à-vis desquelles vous n'êtes pas d'accord. Alors, vous allez voter pour des gens et vous allez dire. Ouais, mais bon, c'est dégueulasse, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, c'est pas normal, etc. Alors, prenez effectivement votre vie en charge et faites comme moi, ne votez plus. Et puis, ne donnez plus votre pouvoir. Et à ce moment-là, faites des choses que vous avez envie de faire. Et ça, c'est possible. Ce n'est pas une utopie. Maintenant, je n'ai pas besoin de vous donner. Mais moi, je vous dis comment je fonctionne et je vous conseille de reprendre votre vie en main parce que c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire en tant qu'être humain. Et si effectivement, vous prenez en charge le fait d'avoir pris la responsabilité à 100% d'être rentré dans ce business, vous allez peut-être avoir envie de motiver pour en faire quelque chose. C'est ce que je vous souhaite et ce que je vous souhaite à toutes et à tous du fond du cœur. OK? Voilà. Donc, je vais faire le résumé. Donc, pour rentrer dans ce business, vous devez créer un espace personnel sécurisé BTC TBS. Vous avez des vidéos et des tutoriels donc, sur la page d'accueil qui vont permettre d'accéder facilement à cet enregistrement et à la création de cet espace. Vous devez aussi ouvrir un compte en crypto-monnaie. Vous avez vu qu'on vous en a conseillé plusieurs, mais que la liste est loin d'être exhaustive. C'est à vous d'aller chercher la plateforme avec laquelle en adéquation. Donc, vous avez également des vidéos tutoriels sur la page d'accueil qui vous permettront de faire la relation entre votre espace personnel BTC TBRS et cette plateforme qui vous permettra de faire le change de vos monnaies en Bitcoin. Ensuite, ça vous donne la possibilité d'acheter des Bitcoins, des CryptoPacks de 2000 dollars à 50 000 dollars. En ce moment, les 1000 dollars sont poursuivis, comme vous l'avez vu, jusque au 28 juillet. Et puis, vous avez, à partir du 22 maintenant, le CryptoPack 2.1 qui ira de 500 dollars à 999 dollars. Et ça, sachez que ce CryptoPack 2.1, eh bien,
Vous allez pouvoir en acheter, donc jusqu'à concurrence 299 dollars par CryptoPack, jusqu'à 50 000 dollars maximum. Hein, voilà. Vous avez également des tutoriels sur la page d'accueil qui vous expliquent ça. Donc, les CryptoPack Wisdom ont une durée de 11 mois, les CryptoPack Speed 2.1 ont une durée de 70 jours ouvrés. Vous avez une rémunération sur les Wisdom de 30 cents sur le montant du ou de ces CryptoPack. Le premier lundi du mois, donc, les bénéfices vous sont communiqués. Donc, le CryptoPack doit avoir une durée de 30 jours calendaires pour vous être rémunéré. Et en ce qui concerne les CryptoPack Speed 2.1, ils vous sont rémunérés à 2,1% par jour. Et en fait, vous avez donc cette rémunération qui est par jour ouvrée. Les retraits donc en Bitcoin par l'intermédiaire de votre espace personnel se font tous les premiers lundis du mois. Pour les Wisdom, le retrait sera automatisé. Pour les autres CryptoPack actifs, le retrait manuel via l'onglet donc des retraits qui apparaît tous les premiers lundis de chaque mois. Vous pouvez recommander donc ce partenariat commercial à toutes les personnes physiques et morales et bénéficier d'une commission d'apporteur d'affaires. Alors quand on dit, il y a des gens qui m'ont dit physique et morale, ben oui, physique, vous êtes une entité physique, les entités morales, ce sont l'ensemble de toutes les sociétés, les associations, etc., qui sont constituées. Donc la commission d'apporteur d'affaires, eh bien, elle est pour les Wisdom de 10% et de 5%, et pour les Speed 2.1 de 7% et de 3%. Votre CryptoPack Wisdom arrive à maturité au terme de ces 11 mois, bénéfice global de 330% du montant initial. Votre Speed 2.1 arrive à maturité au terme de 70 jours ouvrés pour un bénéfice de 147% du montant initial. Donc, voilà le résumé de ce business. Le service partenaire associé, donc, que vous avez quand vous êtes dans ce business, a trois options. Vous allez pouvoir, si vous avez besoin, vous rapprocher en tant que nouveau membre de l'apporteur d'affaires qui vous a inscrit dans ce business, qui vous a recommandé. Vous avez les questions fréquemment posées qui sont mises à jour régulièrement sur votre espace personnel de BTC TBS dans la page d'accueil. Et ça, donc, vous allez pouvoir les consulter également. C'est le deuxième soutien que vous avez qui est constant. Et puis, vous avez un troisième soutien qui est le support donc, de BTC TBS qui est désormais accessible depuis votre espace personnel qui est donc dans le menu à gauche et il est donc sur l'onglet qui apparaît comme étant support. Il est ouvert en ce moment donc de 15 h à 21 h. Donc ça c'est l'heure de Paris et de Madrid. Sont exclus les samedis et les dimanches et les jours fériés. Et dans la période du 15 juillet au 31 août, le support sera seulement ouvert les lundis, mercredis et vendredis. Après cette période, eh bien, il sera ouvert à nouveau tous les jours entre 15 h et 21 h. Tous les jours ouvrés, sauf donc effectivement les samedis, les dimanches et les jours fériés. Donc vous voyez que vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations et de l'aide que vous pouvez donc solliciter. Rappelez-vous que la personne qui vous a présenté ce business est à même de vous apporter une aide absolument colossale. Et puis à travers les FAQ, donc les questions fréquemment posées, eh bien vous aurez cette deuxième aide permanente. Il restera 2% peut-être de questions qui resteront et à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez toujours la possibilité de les adresser au support. Il existe un site qui s'appelle seuilpedrofort.com. C'est le site de notre objet Pedrofort. Ce site, je vous encourage à aller donc dessus. Je vous encourage à aller regarder les articles qu'il fait paraître. Il parle de lui, de son expérience de vie en tant qu'homme d'affaires. C'est quelqu'un qui est rentré dans les affaires, il était très jeune, puisque son père était déjà dans le business et son grand-père également. Son père, quand il avait 10-11 ans, l'emmenait déjà donc avec lui pour traiter les affaires, ce qui fait qu'il a été bercé dans le monde des affaires. C'est quelqu'un qui, vous verrez, a une connaissance absolument colossale et précurseur dans beaucoup de domaines. Il a une ouverture d'esprit dans le monde du business qui est véritablement étonnante. Il est au courant de beaucoup de choses. Moi, il m'a parlé de choses qui arrivent aujourd'hui avec, à travers les nanotechnologies
où vous avez des choses qui se passent au niveau des échanges à la nanoseconde qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Il est déjà au courant il y a plusieurs mois et il est au courant de tout ce qui se passe au niveau des bitcoins, au niveau des crypto-monnaies, etc., etc. Donc, et vous verrez que en allant sur ce site, eh bien, ça vous confortera dans le fait que vous êtes avec quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui connaît les choses et pas du tout quelqu'un qui est un amateur. Donc, allez-y et vous verrez que ça vous donnera des ouvertures colossales. Voilà, j'en ai terminé donc avec cette présentation donc, de cette excellente opportunité et initiative de partenariat. Je vais donc maintenant eh bien, vous libérer en vous remerciant d'être resté fidèle donc durant toute cette présentation. J'espère que vous aurez compris que la véhémence avec laquelle donc j'ai insisté sur des points qui me paraissent absolument incontournables était dans le fait de non pas de vous faire fuir mais de vous réveiller bien évidemment de nous renforcer en tant qu'équipe. Que en fait, il y a cette notion de solidarité qui doit être présente. Il y a également cette notion d'adaptabilité qui doit être présente plus que jamais. Et que s'il y a encore une fois des complications, et eh bien ça fait partie de la vie humaine. Et sachez que nous sommes là et tous ensemble, nous pourrons les résoudre et aller de l'avant. Mais ce n'est pas en se tirant dans les jambes les uns les autres que nous pourrons réaliser ça, mais bien en étant conscient, en étant éveillé. Et en sachant que chacun d'entre nous, là où il est à sa place et qu'il fait donc du mieux qu'il peut. Voilà. Merci encore pour votre présence. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain à 21h pour une nouvelle présentation de BTC TBS. Et en attendant, roulez les cœurs, soyez heureux. Ciao, ciao!